Bonjour. Bonjour, ça va bien. On est dimanche, il est 9h30 à peu près. Aujourd'hui, bolidage comme toujours. On a mis tout le berceau renforcé, repeint en place. On a mis les combinés Seika en place, à l'avant, à l'arrière. L'autre soir, j'avais remis la boîte en place. Tout monte nickel, le flector, l'arbre, la tringlerie, tout va nickel. Là, je vais remettre le pont. J'ai mis des cylindres blocs, vous ne verrez peut-être pas. Petit, gérante de la société Alu Décoration près de Dijon. Des cylindres blocs rigides ici, et là, je mets des noirs renforcés à l'avant. On est en train de voir aujourd'hui, on va faire le circuit d'essence. Donc, on a le filtre à essence qui est là. Et là, on a le pont. Vous conseilleriez la marque à votre entourage. J'ai juste mis un petit coup de peinture histoire de dire rien de fait spécial. Et puis, voilà, je vais essayer d'enquiller le pont. Tout seul, je vous avouerai que je suis pas super chaud, mais j'ai surtout envie de me niquer le doigt. Je me fais vieux. La moto, ça m'a bien usé. J'ai le dos souvent en vrac. C'est pour ça que je me suis mis à la voiture, c'est bien plus reposant. Je suis désolé s'il y a la radio derrière, je vais la baisser après parce que même moi ça me gueule dans les oreilles. Allez. Hop, on va essayer de faire ça. Baisser la radio. Hop. Alors, où est-ce que je vais vous mettre pour que vous regardiez la catastrophe? Alors, parti. Quand vous montez un pont des cylindres blocs, il y a toujours des petites rondelles comme ça. Ça a un sens, je ne sais pas si vous le savez, ça a un ordre, et apparemment c'est un peu important. La rondelle d'origine, donc de votre pont, de votre cylindre bloc, s'il y en a une, elle va à l'extérieur, on va dire, et ceux qui rajoutent vont à l'intérieur. Donc celle-ci par exemple, c'est celle de l'avant du pont, donc je la mets au-dessus. Donc ça va être entre la caisse et le pont. Allez. Rendu, mon chef, ça pèse un peu, ça. Eh bien, je suis pas pressé de le changer dans un paddock sur une manche. Ça se passe trop bien. Je savais que ça pouvait pas être aussi simple que ça. Oui, parce que dans le cylindre bloc, faut rentrer ça. Mais ça, sur le cylindre bloc qui est pas dans le pont, ça va. Ça rentre. Mais quand ça, c'est pris dans le pont et que c'est serré, eh bah t'en chies. Oui, je fais beaucoup moins de gros mots tels que putain, merde, connard, enculé, sauf là. Parce que faut pas, c'est pas bien, c'est mal, c'est pas bien. En fait, je trouve une feinte là à vous parler pour essayer de trouver une solution pour mettre ça. Sans trop m'embêter. Il y a sans doute une super technique, très simple, très efficace, que je ne connais pas. Comme vous pouvez voir, qui m'embête. M'embête, pas d'autres mots. Sérieux là. Genre même en maillet, tu vas pas rentrer. C'est autre chose que j'aurais dû faire avant. C'est autre chose. Voilà. En fait, il fallait juste être un peu moins doux. La rondelle au-dessus. On va faire pareil avec l'autre direct. Sinon, je sens qu'on va encore bien galérer.
maintenant, on serre derrière et on sera bon. Boum, chakaraka. Bon, on vient de faire une petite pause, parce qu'on était fiers d'avoir fait ces deux raccords-là. Donc on allait faire une pause avec la M3 de Damien. C'était histoire de dire. Mais ça, elle fait du bruit, t'inquiète pas. Bah, à tous les copains, ils se sont mis au bord de la route. T'inquiète pas. Bon, par contre, on est d'accord, hein, c'est un turbo que t'as, c'est pas un compresseur. Ah ouais. Ça charge à 4005. C'est un peu tard. Mais c'est marrant quand même, hein, quand ça part, ça part. Hein. Ah, et puis dans la zone, c'est drôle, parce qu'il y a les trottoirs et tout, c'est marrant, faut pas se rater. Désolé, Ricardo. Quand même. Oh, non, oh, c'est une petite... Ah, pardon, petite... on avait dit qu'on en parlait. Merde. Ricardo, je t'ai peut-être réveillé aussi, hein. Je sais pas si tu dormais encore. Mais... du coup, objectif de la journée, donc ce matin, j'ai fait le pont, machin. Et là, ça va être de faire donc, le circuit d'essence complet, le circuit de DA si possible. Et ici, on est large, on remet, on repose le démarreur. Le démarreur refait à neuf. Donc voilà, on a de quoi s'amuser un petit peu. On va voir ça. Bon, filtre à essence, faut qu'on le cale par là-bas. Moi, je pense que ici, je sais pas ce que Fifi va en penser, mais ici, sont mes durites. Ils arrivent là. Et si on vient le mettre comme ça, qu'est-ce que ça dit quoi? Ça fitterait pas mal. Ah, c'est pas mal. Bon. Alors. Ok, j'en ai un dans ma grosse tôle. Et un à plat. Est-ce qu'on a un marqueur? Non, c'est pas grave. Ça y est, elle a démarré. Fifi, pourquoi tu coupes tout? Ah. Alors, il y a les EPI avant tout, hein. Mais pareil, il a des lunettes, donc ça va. Pareil qu'il faut de l'essence dans une auto. Là, c'est une partie longue et chiante qu'on est en train de faire. Circuit d'essence, mais il faut vraiment bien faire. Et pour info, ceux qui disent que les raccords c'est cher, ça permet de pas prendre feu. Donc oui, sur Wish, vous les avez à 2 euros peut-être. Les vrais, pour vous donner une idée, un gros raccord comme ça, c'est 20-25 euros, une vingtaine d'euros. S'il y a une telle différence de prix, c'est peut-être qu'il y a une raison. Hein. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Donc là, on est en train de s'amuser à faire tout ça. Faire tous les départs, les retours, mettre les filtres. Enfin voilà, donc ça c'est une partie qui est un peu longue et un peu chiante. Là. Là, là-bas, régulateur. Donc voilà, l'activité d'aujourd'hui. Enfin, en plus du pont. Pas de point dur, on a dit. Voilà, et le petit gap entre les deux. Ah, c'est une durite bien faite, qui va bien aller. Exactement. On va bien fitter. On a un invité surprise, vous le voyez pas souvent. C'est lui qui fait les vidéos. Qu'est-ce que tu fais? Je détends les goujons. Oui, j'ai mes roulements qui sont morts. Bah, commande-les, on les fera. Il a commandé les roulements. Donc il a démonté. Voilà, il a remonté, je peux pas vous montrer. Mais il a démonté tout l'autre demi-train avant. Voilà, et voilà. Les roulements, bah déjà, c'est pas les bons. Déjà. Puis, déjà. Merci, Pierrot. Voilà, Pierre. Hein. Et puis ensuite, bah, les roulements, ils ont rien. C'est...
Les biellettes de direction qui ont du jeu de 5 mm dans chaque tête. Voilà, donc autant vous dire que ça... Voilà. Sur une bête de course comme ça... Ah, la pointée, dis donc. Ça n'y paraît pas, mais ça pousse. 400 chevaux, pas fil. Et vous êtes à 380 km/h, vous n'êtes qu'à la moitié de l'accélération. Donc voilà, donc, ouais, Joe ouais, Black. Ouais. Vous pouvez, vu que c'est lui qui fait ses vidéos, s'il veut, il mettra son truc en bas, là. Voilà, peut-être. Joe Black Prod. Et s'il veut pas, bah... Ou s'il attend une dernière minute pour faire la vidéo, qu'il aura pas le temps de le mettre, il le mettra pas. Non mais, il y en a du tout long, mon gars. Et ouais, voilà. Attends, super, il va faire tout le temps, hein. Mais je sais, moi, c'est chiant, c'est Statham. L'autre jour, il voulait qu'on aille se faire une bouffe, mais je pouvais pas. Ouais. J'étais déjà avec Bruce. Donc, Forcément, ouais. Ah, Bruce, il est cool, mais bon... Puis que sa fille... Puis que Serena Willis, là, elle a eu 25 ans, intenable. Intenable. Mais bon. C'est le bordel, hein. Enfin. Oui, on retourne à nos durs rythmes. Qu'est-ce que tu faisais? Non, je prenais des photos, des photos pour... Bah pour tout simplement faire des likes sur Instagram, hein. C'est tout. Hein. C'est le but. Là, c'est beau, là. Bon, pour aujourd'hui, Fifi va encore faire les masses des pompes. Mais du coup, toutes les pompes sont branchées et tout le circuit d'essence est bouclé. Enfin, presque. Il manque deux raccords, donc on l'a laissé en suspens. Mais sinon, tout est fait. Oh, ça beau le tuning là. Bleu, rouge, lélalélalé. Hein. Alors je sais pas si ça va bien rouler, mais au moins c'est joli. C'est déjà ça. C'est beau. Après, est-ce que ça va bien rouler? Ça, c'est une autre question qu'on verra plus tard. Allez, continue encore un peu. Bon. Oh, la mise au point. Et toi? Bon, l'échappement est fini. J'ai plus qu'à le souder. Enfin, une partie, j'ai déjà soudé une grande partie. On a toujours le silencieux, le petit silencieux qui va à l'arrière. La ligne qui arrive là, qui passe à une bonne main du réservoir, donc ça laisse de l'air passer, ça a été de chauffer. Et là on mettra du pare-chaleur en plus. Et puis bah sinon, la ligne... Une autre chose qui est bien avec les V8, c'est que la ligne prend pas trop de temps à faire, c'est pas trop gros. Donc après manger, on va souder ça et après on s'occupe, alors vous verrez peut-être pas, tech du circuit de DA. Donc le circuit de DA qui chauffait la dernière fois pas mal. Donc il a reçu un radiateur d'huile de DA côté du radiateur d'huile moteur. Et on va tout faire en... mes souhaits, le coronavirus. Endurite tressée, pour être tranquille. Bon, j'ai déjà vu qu'il me manquait un raccord, donc ça commence bien. Allez, à manger, et après on rattaque.
Alors j'attends déjà les puristes soudeurs. Ouah, il a pas chambré sa ligne. Ah là là, c'est trop pas bien. Moi je le fais même sur le Vespa de mon cousin. Oui, c'est vrai qu'on chambre. Nous, chez ProWeld, chaque ligne qu'on fait, on la chambre. Là, c'est ma caisse à moi perso. J'ai pas envie de niquer du gaz en plus. Sur ma E36, ça a jamais bougé. Pourtant, elle a tapé des bacs à gravier de l'espace. Il y a jamais de problème. Donc non, je n'ai pas chambré pour tous les apprentis soudeurs. On verra si ça casse, hein. Mais ça devrait pas casser, il y avait un petit peu de sauce quand même. Puis si ça casse, ben on refera. Bon, maintenant, quoi que c'est qu'on fait. Tout à l'heure, j'ai passé vite fait la première durite pour la DA. Et puis on va regarder le circuit de puissance de DA du coup. On va essayer de voir si je peux le faire, mais normalement il me manque un raccord, donc c'est pas gagné. Bézey. Pour le circuit de puissance, alors je sais pas si vous allez voir, c'est mes deux banjos là. Aïe, le problème, c'est que si on fait partir droit, on va dans le collecteur. Il faut faire partir un peu par là. Donc il me faut des banjos 45 degrés. Donc encore une fois, on va appeler Swap Parts demain matin. Et comme ça, mardi, on aura ça. Merci encore. Bon, du coup, la ligne, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ben, on va commencer à faire les petits supports qui manquent à droite, à gauche. Allez, c'est parti. Je suis vraiment désolé, je vais faire une chose horrible, mais il est dans ma trajectoire. Donc, dit adieu. Étienne va nous quitter. Malheureusement. Pour Étienne. Donc oui, là, je suis en train de mettre le tableau de bord parce qu'il y a un mec qui a mis plein de tubes dans la voiture. Du coup, forcément, le tableau de bord, il passe plus vraiment. Voilà, voilà. J'ai vu un peu large. Hein. Bonjour tout le monde. On est dimanche matin. Le soleil est beau, nous venons d'avoir la restriction de nos chers ministres, et donc on se limite au déplacement purement utile. J'estime que c'est un déplacement purement utile. Où en sommes-nous depuis la dernière fois? Alors, j'ai refait un décanteur d'huile, plus gros et mieux fait, parce que l'autre je l'avais mal fait, on va pas se mentir. J'ai dû faire modifier le passage d'eau. Ici, parce que la courroie du compresseur passe là et la durite devait passer devant, ce qui n'est pas possible. Donc on est passé dans le cache. Qu'est-ce qu'on a fait? Le circuit d'essence est fini à 100%. Le circuit de DA est fait. Il manque juste les rondelles cuivrées sur les banjos pour pouvoir tout serrer. Et puis après faire 2-3 accroches pour pas que ça se balade à droite à gauche. J'ai remodifié l'admission. Double cône, titane, voilà, deux fois plus vite, deux fois plus léger. C'est juste que c'était un délire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le support de tablette est donc en place. Je vous ai montré. Et là, on va aller changer petit récepteur d'embrayage. Donc là, on arrive sur des choses qui sentent bon la fin. Enfin, le début de la fin. Vous pourrez noter qu'il est presque 10h. Et que Fifi n'est toujours pas là. Donc bon, pendant ce temps-là, Tchouf est avec un certain Tim Banet en train de faire une certaine chose que vous aurez déjà vu, que vous verrez après cette vidéo. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils s'amusent bien, les petits salauds. Et qu'on va se venger pendant l'année. On ira faire pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai pu ne pas vous montrer?
Ah oui. Les collecteurs étaient en place la dernière fois, mais ils n'étaient pas finis de souder à 100%. Ils n'étaient pas en position définitive. Là, c'est le cas. La crémaillère passe. Il y a à peu près 1 cm partout. Donc, y en a qui me disent oui, mais ça ne va pas faire chauffer la crémaillère. Si, ça fera forcément chauffer la crémaillère. Comme avec c'est un V8, les collecteurs passent forcément près de la crémaillère. Ça, c'est indéniable. Les lignes d'échappement en Wi-Fi n'existent pas encore. Mais ça passe. On a 1 cm de jour partout. Sachant que quand j'ai eu la voiture, que je l'ai testée à mi-recours, la personne qui avait monté la voiture avant, de type anglais, s'était dit que quand on braquerait à gauche en full lock, c'était pas grave si le collecteur venait taper dans la crémaillère et la bloquer. Ce qui faisait un léger point de vue. J'ai remis la barre stab à l'arrière. Enfin, j'ai pas mis les cylindres blocs, je les ai là-bas, je vais les mettre tout à l'heure. Oui, mais la barre stab, faut l'enlever. Non, faut pas ou faut, c'est, ça dépend des pilotes. Moi j'ai une théorie là-dessus, donc je vais essayer de l'appliquer, je vais voir si ma théorie est bonne ou pas bonne, et puis on verra bien. Mais pour moi, dans le drift, faut enlever les barres stables à l'avant et les laisser à l'arrière, ma façon de voir les choses. Peut-être je me trompe sûrement même, mais c'est ma voiture, donc je fais comme je veux. Allez, c'est parti, on va changer le récepteur d'embrayage. Une chose bien, c'est qu'elle est en durite. Le récepteur, il est en durite cuivre. Donc j'avoue que ça, c'est pas mal. C'est mieux qu'une durite toute pourrie. Le récepteur en soi, c'est la partie facile. Parce que le problème qu'on peut avoir, c'est que vu que c'est un récepteur de diesel et un émetteur d'essence, on peut avoir le souci que l'émetteur ne soit pas assez gros, pas assez puissant, on va dire, pour bien pousser le récepteur. Et donc, si c'est le cas, malheureusement, ça vient d'être le cas, on va devoir s'amuser à modifier l'émetteur. Et malheureusement, je pense qu'on va devoir y passer. Bon, ben voilà, attendez, je peux voir si j'ai pas oublié un truc. Forcément, j'ai déjà jeté la boîte, très intelligent que je suis. Récepteur en place. On va checker sur la voiture. Ah, je comprends pas, t'as pas chambré la ligne d'échappement, mais tu chambres ça. Oui, parce que vu qu'il y a de l'eau qui va passer, le chambrage, même si ça paraît que ce soit plus solide, ça permet aussi qu'il n'y ait pas de rochage, plein de petites merdes à l'intérieur. Sur un circuit d'eau, ça peut être pas mal. Bon, vous verrez pas, mais faudrait que je trouve un autre tube soudé sans chambrer. Bref, là où il y a le cordon, normalement ça fait plein de petits rochages, ça fait un trait de merde. Là, il n'y est pas, donc c'est mieux. Bon, après, je suis pas un pro, donc, mais ça le fait très bien. Conduite d'eau, finito. Bon, ma fifi de Revolt House vient d'arriver. Avec... Ah.